Et salut, c'est Pierre de Fishon. Donc aujourd'hui, on va faire du rock fishing. J'ai pris deux cannes. Une canne rock fishing et une canne un peu plus puissante, une 10-40, pour les chasses. Si je vois des chasses, je vais envoyer directement des gros jigs ou des gros leurres pour essayer de faire des pélas, des sévros, de la bonite, tout ce qui passe. Allez! Donc là, j'ai monté un montage drop shot. Avec un plan olive, un gros plan, et toujours la même chose, le gulp. Allez! On va tout péter. Il m'a tout pété. Ouh, c'est pas vilain. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, une belle vieille. Oh, elle est magnifique. Et ben voilà, décroché. Allez hop, on remet à l'eau. Poisson. Hop là. Petit serin. Allez, remise à l'eau.
Ouais, c'est bon. Hop là. Toujours pareil, au petit gulp. J'ai changé de spot parce que c'était pas top tout à l'heure. Poisson. C'est tout petit, une girelle, une toute petite girelle. Hop là, encore une girelle. Une petite girelle. Bon, elle est mal piquée celle-là. Poisson. Tout petit. J'ai vraiment tapé au bord, hein. Tout petit saran. Alors tout petit, mais quelle couleur magnifique. Regardez ça. Allez hop, remise à l'eau. Voilà. Hop. Encore un petit serrant. Allez, on remet à l'eau. Un poulpe. Oh non. C'est collé l'enculé. Mais si. Ah ça, décroché. Ah j'ai fait un petit poulpe. Ben vous voyez, on fait même du poulpe avec ça. Poisson. Ah, c'est plus joli.
qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus joli quand même. Regardez comme la canne elle plie. C'est un régal cette canne. Ah. Hop là. Waouh. Regardez ça. Un gros séran. Très beau séran. Hop, on va le décrocher. Regardez ça. Il est fat celui-là. Voilà. Regardez celui-là. Comme il est fat. Oh, il s'est fait niaquer celui-là. Allez, on va le remettre à l'eau. Hop là. Poisson. Ça, c'est ça. Ah, c'était un séran. Trop tard. Décroché. Hop. Ouais, là, je mets un galp vraiment coupé parce qu'en fait, ils sont très tatillons. Donc il chope au bout de la queue. Du coup là je mets un gulp, je coupe. Voilà, un bon 2-3 cm. Et je le passe entièrement dedans et je laisse dépasser juste l'hameçon. Comme ça quand ils vont mordre, ils vont choper l'hameçon en même temps. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de les attraper. Hop là. Allez, petit rocao. Allez hop, on remet à l'eau. Regardez le crabe. Il est immense le crabe. Et voilà, session terminée. Donc je fais quelques poissons quand même. Avec cette mer très très agitée, regardez. C'est pas une mer... Il y a énormément de vagues. Pour le rock fishing, c'est le meilleur moyen de s'enrocher. Bon, j'ai réussi à faire quand même quelques poissons. Une belle surprise avec un petit poulpe. Je sais pas sur les vidéos si on les verra ou pas, si on verra ou pas. Mais ouais, surpris. Surpris de ce gulp. Parce que c'est la première fois que je vois que je fais un poulpe. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus et à vous.
Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez un pouce bleu, vous commentez et vous likez. Allez, ciao ciao les amis.